Salut à toutes et salut à tous et bienvenue pour ce 24e épisode de cette série sur Europa Universalis 4 avec l'Empire byzantin. La dernière fois, nous avions totalement défoncé l'Autriche après deux guerres successives avec seulement 6 mois d'intervalle à peine, je crois. Maintenant, l'Autriche se fait légèrement défoncer par tout le monde. C'est tout le monde déteste l'Autriche. Tout le monde est en train de se farcir l'Autriche. On peut voir même que même Salzbourg, c'est ça. Hein. Ce petit territoire est en train de maraver la tronche à l'armée autrichienne. Voyez, tout le monde maintenant, tout le monde s'y donne à cœur joie. Hein. Et ça, c'est grâce à moi. Et on peut aussi voir que la Hongrie est en train de prendre cher avec des rébellions de partout. Pas de chance. En tout cas, moi, ce que j'ai prévu de faire, bah déjà, c'est d'essayer d'accélérer la vassalisation, enfin de l'annexion plutôt, de mon vassal napolitain. D'ailleurs, il est en train de corer la province de Rome. C'est bien, il est en train de le faire, c'est parfait. Sinon, il faudrait peut-être éventuellement que j'aille faire ma petite guerre contre le Mamelouk. Encore. Ouais, ça fait. J'aime bien faire mes guerres contre le Mamelouk. D'ailleurs, pour les guerres contre le Mamelouk, je pourrais prendre déjà tout ça, c'est bien ça. Après, il faudrait peut-être que je prenne Rachid. Je crois que je suis en train de faire Rachid. Ouais, c'est ça. Je suis en train de faire ma dernière possibilité de revendication sur le Mamelouk, c'est Rachid. Ce sera pas mal. En tout cas, il y a là l'Éthiopie, la Lodi, pas mal. Mais bon, déjà, s'occuper des Mamelouks. On va les virer d'Asie, et après, il faudrait que je prenne Alexandrie. Mais ça, je pense que ce sera dans une autre guerre. Je vais d'abord prendre tous ces territoires-là. Et après, dans une autre guerre, il me faudra Rachid. Rachid, ce sera obligé. Afin de pouvoir faire des revendications sur Alexandrie. Ce qui sera pas mal. Sinon, je ne pourrai pas. En tout cas, alors, tout ce blabla. Vos unités subissent des pertes. Ok, mais c'est pas trop grave. Je peux investir dans une nouvelle doctrine, doctrine économique, bureaucratie, modification nationale de l'impôt plus 10%. C'est plutôt sympa. Mais j'aimerais bien faire augmenter ma technologie administrative. J'aimerais bien. Sinon, en militaire, je suis niveau 23. Diplomatique, je suis dans la moyenne, niveau 21, ça va. Je suis ni en avance ni en retard. En tout cas, je vais donc appuyer sur play tout de suite. C'est quoi ça? La Géorgie. Est-ce que je l'accepte? Laissez-moi voir. Nous avons déjà un héritier. Qui est pas terrible. 3-3-2, c'est assez décevant quand même. J'ai connu mieux, mec. Est-ce que je le prends? Ouais, pour l'instant, je vais le prendre. Je vais continuer mon alliance avec la Géorgie. Mais à un moment, il faudra que j'arrête cette alliance. Il faudra. Qu'est-ce que c'est? La Pologne va te faire foutre. Ça, c'est le Salzbourg? Non, c'est pas le Salzbourg. Lorraine. Lorraine. Non, le Salzbourg, c'est pas du tout le même drapeau. Alors, niveau agitation, parce que voilà, Gerds et Dablus. Ok, c'est bon. Conversion réussie. À Gerds, ils se sont convertis à la seule vraie foi. Oh, ça c'est cool. Ils sont orthodoxes. Ce qui fait que normalement, maintenant, l'agitation à Gerds devrait être beaucoup plus calme, posée, tranquille. Mes armées, j'en ai 3 ici. Je pense qu'avec 3 armées, avec 63 000 hommes, j'aurai de quoi détruire le Mamelouk. Sans trop de problèmes. Donc on va pas rassembler plus d'hommes là. J'aimerais bien prendre ce territoire. Le problème... Ah, l'Autriche n'interviendrait pas, il y aurait que les États pontificaux et la Suisse. Pour la Corse. Les États pontificaux, je leur envoie une armée, c'est bon, ils se prennent une raclée. La Suisse, ils ont rien du tout. Eh ben, messieurs, nous allons peut-être enfin dégommer ces villes manants que sont les Génois. On va peut-être enfin prendre Caffa. On va profiter du fait que l'Autriche n'interviendrait pas. Parce qu'ils sont déjà en train de se faire défoncer. Et c'est qui fait qu'ils ne viennent pas.
Mais on va se donner à cœur joie pour aller dégommer ça maintenant. Alors là, on va s'y donner à cœur joie, messieurs. Alors, la Russie, la Géorgie, le Brandenbourg. Ouais. Ah là là, oh là 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 là. Déclarer la guerre. Wow, boum, je fais la guerre et je peux investir dans une nouvelle techno. On va peut-être attendre un peu. Toi, tu vas à CAFA. Les états pontificaux et la Suisse. Oh, pochou. Ouais. Ramener la flotte. Ils ont une flotte, les états pontificaux? La blague. On va leur défoncer leur flotte, là. Bah, ça y est, ils ont déjà perdu 3 navires. Allez, messieurs. On va aller défoncer la tronche du pape. Comme d'hab. Le gars, genre, c'est la routine de défoncer le pape. C'est pas que, disons que c'est pas une routine, mais je l'ai déjà fait. Je sais même plus si je l'ai déjà fait dans cette campagne. Je crois pas, en fait. Dans cette campagne, je l'ai pas fait, ça. Alors, messieurs, ramenez-vous. On va avoir besoin de la flotte pour aller soutenir notre vassal napolitain qui fait pas le poids. Franchement, sincèrement, ce vassal napolitain, c'est plus un poids qu'autre chose. Hein. J'ai connu mieux. Allez, rassemblez-vous, on va les casser la tronche à l'armée suisse. Ça, c'est cocasse. L'armée suisse, wow. 20 en tradition militaire ou 50 en puissance militaire? Non, on va gagner la tradition. Tradition militaire, je suis à 99,6. Je recrute un général maintenant, c'est bon, je lui casse la tronche. Toi? Coucou. Hé hé hé. C'était bien le bonjour. Nous sommes venus vous défoncer la tronche. C'était gentil. Bon, maintenant, on va envoyer la flotte faire le blocus de Romagne. Avec là, en plus, il y a 3 navires. On leur défoncera leur face s'ils venaient à vouloir nous attaquer. Ok, bah, je vais faire ma petite guerre aussi contre le Mamelouk en même temps. Il n'y a pas de problème, je pense. Il sera tout seul en plus. J'adore. Un petit truc juste avant. Action clandestine. Non. J'ai déjà fait tout. J'ai déjà toutes les revendications possibles. Donc on va se faire sa petite guerre. Pour prendre. Man. Moi je suis sûr de l'avoir celui-là. Allez hop, hop. Hop et hop. Rassemblez-vous messieurs. Le siège de CAFA est terminé. Génial. C'est parfait. L'armée ici. Est-ce qu'on va pouvoir l'intercepter? Une petite vérification juste avant. 19. Je vais les défoncer. Qu'est-ce que je disais? Je les défonce. Alors là, c'est une raclée totale. Cette armée mamelouk. Allez hop. Et hop, on fait le siège du Sinaï. Parfait. Waouh, la flotte. Ouais, j'aurais perdu pas mal de navires là dans cette histoire quand même. Quand même, j'aurais perdu des trucs. Hein. Ouais, la flotte, voilà. Hein. On va faire ça, on va rassembler, on va virer le petit bateau pourri qui sert à rien. Attends, c'est un transport ça? Ouais c'est ça, c'est un transport, on s'en fout. T'es viré, voilà tout simplement. Et je vais recruter les 5 navires que j'ai perdus dans cette histoire. Voilà, parfait. Les sièges ici c'est bon. Là bah la ville de Romagne elle a 2 doigts de tomber. Ils ont parlé de Quai si tu veux. Oh non mais sans deck là, s'il vous plaît. La ville est en flamme, il n'y a pas de brèche encore. Ah là là, c'est plus que c'était l'armée. 33 000 hommes, oh ils sont nombreux. Ah ça y est, nous avons gagné le siège de Romagne.
Alors, mesdames et messieurs, on va voir ce que nous on peut avoir. C'est moi qui décide, hein, aux dernières nouvelles. Déjà, moi je veux Cafa, ça c'est une évidence. Ça par contre, ça m'intéresse pas. En fait, on va y aller d'abord avec les états pontificaux, étant donné qu'on les a défoncés. Avec son total, j'ai pas envie. J'ai pas du tout envie de les annexer. Ça va me donner de l'expansion agressive et ça, j'ai pas envie. En plus, je peux pas. Faudrait que j'aille attaquer la Suisse, ça me saoule. Non, on va. Tu vas abandonner tes provinces légitimes. Et tu vas annuler tes traités avec Venise, Trèves. Enfin, voilà. Tu pourrais être mon vassal. Je pourrais faire. Des états pontificaux, le vassal de Byzance. Oh, si ça, ce serait pas énormissime. Ce serait génial. Moins 18. Oh. Ils veulent pas. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Hop, 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 hop. On annule les traités. Tu me passes ton fric. 333, c'est bien pour les caisses. Et tu vas me faire réparation de guerre aussi. Voilà, ce sera cool. Dommage que je puisse pas lui forcer la religion. Ce sera crevé de rire. Allez hop. Très bien. L'armée, hop, tu reviens ici à Gerd. Est-ce qu'il y a de l'agitation? À Gerd, justement. Risque de rébellion des patriotes autrichiens. Sinon, ici la flotte, ça va très bon. Ici, il a renvoyé des troupes en Corse. Ça va être sympa. Ici, on en est où? C'est bien, c'est en bonne voie. On a une date approximative 1729. Eh ben, il y a le temps. Parfait. Ici, nous avons mené le premier siège. On va attendre que cette ville à Dumiat soit prise afin d'envoyer l'armée. À Carida, gagner de la légitimité. Je gagne de la légitimité, c'est tout ce que je veux, c'est la légitimité. J'ai quand même pris cher à ce niveau-là. Vos ports sont blocus. J'ai des ports sous blocus, moi. Le gars choqué. Et ben on va casser la tronche à cette flotte Mamelouk. On va lui dire, désolé, ça marche pas comme ça. Ah, hein. Parce que bon, faut pas déconner. Ces gentils messieurs qui se permettent de faire des blocus, ça m'a pas. Non, pas si. Ils nous ont insultés. La Géorgie m'a insulté. Sérieusement? Eh ben, dis donc. C'est plus que c'était. Vous, trois, hop, rassemblez-vous dans le golfe. Ah, le siège ici est terminé. C'est bien. Hop, on envoie ça dans le Sinaï. Quoique non, on va l'envoyer ça ici plutôt. Et toi, tu peux refaire ton commerce pour Constantinople. Bien. J'ai 21 000 hommes ici. Bretonne, Mexique. La Bretagne est au Mexique. La blague. Bretonne, Mexique. Anglais, Mexique, anglais. Florida. Les 13 colonies. Castillan, Canada. Le Canada existe. Bien, Canada existe. Putain, la France. Pauvre France. La France a pris tellement cher dans cette campagne. C'est quand même assez violent. Un de nos chefs militaires est mort. Zut, c'est triste. Alors, toi, la Suisse, la paix. Il voudra pas. Faudrait que j'aille lui casser la tronche. J'ai la flemme. Alors. L'annexion totale, il voudra jamais. Mais bon, moi je vais prendre Cafa, tu vas me passer ton fric. T'as que ça? C'est minable. C'est minable ce machin. Tu annules ton traité avec la Suisse. Vassal, non, ça j'ai pas envie. Force et religion, ça par contre, tu vas devenir orthodoxe. Réparation de guerre, renoncer aux revendications, bof. Ouais, on va faire ça, on va être gentil. Vassal,
Pas envie que Gênes soit mon vassal. Ça me saoulerait. Parfait. Maintenant, regardez. L'orthodoxie qui est en train de remonter par l'Italie. C'est juste génialissime quand même. En tout cas, maintenant, je suis content. Voilà. Caffa, c'est maintenant devenu Théodosia. Et ça, c'est plutôt cool. Allez, hop. On en fait un territoire national. Oh, regardez, Byzance. Byzance. Boum. C'est bien, là. C'est beau, tout ça. C'est beau. Ok, ça, c'est bien. Mon diplomate. Qu'est-ce que je vais en faire? Je vais faire revendication ici. Ici, bah, je peux pas, je crois. Non, je peux pas. Il faudrait d'abord que je déclate l'armée syrienne. La Valachie m'adore. La Croatie m'adore aussi. Voilà. Tiens, Tlemcen a pris les territoires qui se trouvaient ici à Tunis. Tuc, 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 tuc. Trêve jusqu'à quand avec eux? 1689. Ouais, peut-être, peut-être, peut-être. Éventuellement. Faudrait que je m'intéresse à savoir où je vais aller après. Ici, d'accord, j'irai, mais vers le nord. Putain, Ulm et l'Autriche, j'ai l'impression que c'est que Ulm, ça appartient à l'Autriche. Je vois trop de blanc et ça me perturbe. On va peut-être faire des falsifications sur lui. Là. Allez, voilà. Le gars qui a rien à faire. Il s'ennuie. Ouais, je vais faire des revendications sur ce truc. La Valachie qui vient faire la guerre aussi, c'est gentil de sa part. Non mais sérieux, quoi. Il y a une chance sur deux que je prenne la ville et ça tombe toujours pas. Sans deck. Notre agent a été repéré, direct. Eh ben dis donc. Ça a été rapide. Alors. Ok, Géorgie, Russie, Syrie, Hongrie. La Russie. La Russie m'aime bien. La Géorgie m'aime bien. La Syrie m'aime pas, mais j'en ai rien à faire. Kiev, il y a Kiev aussi. Kiev m'aime pas du tout. Enfin, pas du tout. Enfin, moins 17, c'est même pas trop, quoi. Hongrie, j'ai pas envie d'être copain avec eux, disons. Ouais, est-ce que ça sert à quelque chose? Bon, allez, on va améliorer nos relations. Coût de technologie. Commerce des armes occidentales nous est arrivé. Coût des technologies, moins 10%. Siège d'une Dumiane terminé. Ah bah, pas trop tôt. Ça a commencé à durer un peu trop longtemps, là, le siège. Alors, pour leur casse la tronche, vite fait, bien fait. Kaboum. On va envoyer une armée les poursuivre, cette armée mamelouk. On va venir leur dire coucou. Voilà. Alors, on poursuit le siège. Ah, ici, c'est fini aussi à Sinaï. Eh ben, nous allons rassembler l'armée ici. Eh, mec, monsieur. Mais monsieur, là, revenez, s'il vous plaît. J'ai envie de vous casser la trunch. Ah, ils vont peut-être se faire massacrer par mes vassaux. J'interviens un peu plus quand même. Il est au sud. Alors, on va ici, on détruit. J'ai envie d'essayer de détruire totalement cette armée mamelouk. Ça marche pas, hein. Bon, ici on a détruit la petite armée qui venait d'apparaître. Finalement, on va la bloquer en fait. Je crois que ce sera plus simple, ce sera la bloquer par ici. Il y aura moins de difficultés à ce niveau-là. Ah, enfin. Eh ben, tu vas à Rachid, s'il te plaît. On va aller leur dire coucou. Trêve terminée entre l'Autriche et Byzance. Déjà. Fichtre.
Hop, messieurs. Maintenant que l'armée elle est bloquée, pas la peine de continuer avec des grosses armées, ça ne servirait à rien. Non, on va faire plus simple. Toi, tu vas là. Toi, tu restes ici. Toc. Hop. 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 Voilà. Plusieurs sièges d'un coup. J'adore ça. Gagné, Théodosia m'a fait maintenant partie de notre empire. Oh yeah. On va casser ça. Donc, nous disions qu'il fallait envoyer un pope pour convertir cette région. Bon, l'armée ici, elle va bientôt arriver pour casser ça. Voilà, ça c'est fait. Et hop, on va ici. Non mais les mecs, vous servez à rien en fait. Je dis ça, je dis rien, mais sincèrement, vous servez à rien. L'armée napolitaine qui fait comme si elle sert à rien. Voilà, y a pas d'autre mot à dire, c'est qu'elle sert strictement à rien, cette armée. Ah là là, déception, déception, déception. Tout n'est que déception. Soulèvement rebelle particulariste byzantin. Ok. Comment ça? Ah, Théodosia, oui, ok. C'est que ça. Ce n'est que ça. Ici, ben on rassemble les hommes. Le siège ici s'est très bien passé. Là, les Mamelouks ils vont prendre cher dans leur face. Allez, instabilité, j'aime. Ça y est, maintenant, c'est une province nationale de Naples-Rome. Ça, c'est plutôt cool. J'aimerais bien que mon armée revienne, s'il vous plaît, directement au pays. Parce que là, elle est en Italie, elle sert un peu à rien. Ça coûte combien? 600? 510? Ouais, ça va, je peux me le permettre. Je peux me le permettre. C'est quoi ça? Établir des écoles, force des missionnaires plus 1%. Bah je prends. Je valide. Je valide. Eh ben, cette guerre se passe bien. Oh là là là. La raclée. Le Mamelouk a pris très cher. Bon, maintenant qu'on a converti cette région, maintenant, logiquement, l'agitation est beaucoup moins élevée. Seulement 1%. On peut regarder ici. Popularisme byzantin. Ouais, ça va. L'agitation dans le don inférieur à Théodosia. Hop, on gagne de l'argent. Eh ben, niveau thune, j'en manquerai pas. Ça fait plaisir. Bon, il restera plus qu'à détruire cette armée Mamelouk, en fait. Ici, le siège est terminé. Ça va être coucou quand je me déciderai à l'attaquer. Hop, tu vas ici, toi. Ah bah tiens, ici, c'est fini aussi. Rassemblez-vous. Eh ben, dis donc. Dès que j'ai envie d'aller de quelque part, c'est bon, le siège, il se termine. Il y a des chances que le siège se termine. Ah non. Non, c'est pas terminé. Mais ce sera pour bientôt. Bientôt, tout le Mamelouk sera pour la première fois entièrement assiégé, je crois. J'avais pas fait tous les sièges avant. Et ben là, ce sera le cas. Allez hop, on y va. Wow, 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 wow. Tout doux, on se calme. Posez, monsieur. Eh ben. Rassemblez-vous, s'il vous plaît. La bataille ici est gagnée et nous avons presque défoncé toute l'armée. Toute l'armée Mamelouk, il y a quelques derniers survivants qui sont en train de se balader. Mais qui vont se faire défoncer. Même les Napolitains peuvent maintenant le gagner contre eux, hein, ça veut tout dire. Hein. Oh là 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 là, le siège total. La puissance byzantine est éternelle et invincible.
Surtout invincible. Qu'est-ce qu'il me propose? Mamluk Sed Man, Karak, Sina et Azu machin truc. Non. Nope. Nope. Bon, bah il reste plus qu'à rassembler les trois trucs et ce sera fini. Trêve terminée entre Toscane et Byzance. Intéressant. Tuk 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 tuk. Ok, c'est bon, en fait j'ai fini toutes mes trêves. Globalement, c'est à peu près ça. Bah tiens, ici ça sert à rien. Hop, tu remontes. Tu vas même directement aller ici en fait. On rassemble et hop, tu vas déjà dans les territoires que nous allons prendre à l'Ottoman. Ah, l'Autriche ne considère plus Byzance comme un rival. Lol. Je suis trop puissant pour eux, c'est pour ça. Ils ont pris tellement cher, les mecs. L'Autriche n'est plus un rival valide, voilà, qu'est-ce que je disais. Bon, voilà, on va faire un petit assaut. Et ici, un petit assaut aussi. Voilà. C'était seulement pour le principe d'avoir tout le Mamelouk capturé. Voilà, boum. Alors, maintenant, je vais faire mon petit marché. Alors, nous disions donc... Tic, 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 tic. Voilà, je pourrais même prendre ça, en fait. Eh ben, c'est parfait, tout ça, si je peux prendre tout ça. C'est génial. Comme ça, la prochaine guerre, grâce à ça, je pourrais avoir des casus belli sur ça, 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 ça. Ça, et ça, et ça. Oh là là, je vais le bouffer, moi. Totalement le bouffer. Alors, on dit qu'on prenait ça. Ton argent qui... Bah, t'as plus d'argent, en fait. Tuk, tuk, tuk. Sinon, le reste, ça peut pas être très possible. Voilà, on va faire ça. Tu vas annuler tes revendications sur ces territoires. Ce sera déjà ça. Et moi, je prends ça en plus. Et ben voilà. Rassemblez-vous, messieurs. On va avoir besoin de vous. Coucou. Oh là 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 là, maintenant Byzance est... Byzance. On est tellement en train de leur prendre des terres. Oh là 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 là. J'adore. J'adore ce que je fais. Allez, hop, 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 et hop. On s'occupe de tout ça en même temps. S'il y a une rébellion, on leur casse la tronche, Fissa. Je vais prendre 21 000 hommes pour aller... péter la tronche à la Syrie. C'est une guerre pour quoi? Alors, c'est une guerre contre... Alors, toi. Je te sélectionne. Ok, à l'Autriche. C'est une guerre d'agression qu'ils ont provoquée. Autriche est alliée à l'ordre de Livonie, au Palatinat, à Trèves et à la Savoie. Castiglia est la défenseur de la foi catholique et protégera l'Autriche. J'ai envie de dire non. En même temps, j'ai envie de dire oui. On va accepter. On va accepter, on va accepter. C'est pas comme si ce pécor, il allait être très dangereux. Je vais envoyer ici, c'est bon l'agitation? Non, toujours un peu d'agitation quand même. On va recruter quand même quelques hommes. 7000 hommes, s'il vous plaît. Hop, rassemblez-vous. Niveau flotte, en fait. Niveau flotte. Waouh, la flotte, comme je peux l'agrandir à nouveau. Alors, j'ai quoi? J'ai 38 galères ici, 23 bateaux de transport et 5 galions de guerre. On va se faire quelques galions de guerre. J'en fais combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va en faire 10 déjà. On va se faire 10 nouveaux galions de guerre. Ça va être des gros navires, ça va être bourrin ça.
Et maintenant, je suis censé m'arrêter. Et ben, on va s'arrêter là pour cet épisode. Comme ça, au moins, là, l'épisode, on vient de s'arrêter pour juste après la guerre contre les Mamelouks. C'est un très bon moment pour s'arrêter. Nous avons déjà commencé à prendre une partie du delta du Nil. Je vais maintenant m'atteler à faire des falsifications sur le Mamelouk. Et ça va être assez posé. Ensuite, j'irai faire une petite guerre contre la Syrie, contre le Karakunulu et peut-être contre l'Irak, à voir. À voir. Hein. L'Irak, je pense que j'attaquerai peut-être un peu après avoir attaqué le Karakunulu, comme ça je pourrais faire des revendications sur ces deux petits territoires, ce qui sera pas mal. Avant d'aller, après, on verra plus tard, pour une deuxième guerre contre l'Irak. En tout cas, au moins, j'aurai un accès au golfe Persique. Ensuite, en plus, maintenant, j'ai un accès à la mer Rouge. Oh là là, ça va être bon, ça. Partir, les colonies. Ouais, il y a déjà des colonies ici. Hein. Ouais, partir pour les colonies, c'est peut-être un peu tard, quand même. Surtout que j'ai pas de colons. Donc, clairement, bah, je peux pas partir faire des colonies. Mais ça aurait pu être marrant, ça. Ça aurait pu être très, très drôle. Mais pour les colonies, 1688, c'est trop tard. Y a pas photo. À la limite, si après je pars ici pour aller prendre quelques territoires en Afrique. L'Afrique pourrait être byzantine. Clairement. Y a moyen. Surtout que maintenant, j'ai... Tout le Proche-Orient est à moi. Ça, c'est maintenant, c'est sous mon contrôle direct. Maintenant, le Mamelouk est quasiment fini. C'est qu'une question de temps avant que je l'annexe totalement. Et avant que j'aille à peu près un peu plus par là. Pour l'annexion de Naples, bah, ça, c'est date encore un peu inconnue. Il va falloir que je m'occupe de ça. Est-ce qu'elle est conseillée? J'ai pas des bons conseillers, discipline, morale, non, ça m'intéresse pas. Enfin, on verra bien ça. J'ai une petite guerre contre l'Autriche, mais ça devrait pas poser de problème, ça, je pense. Donc, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, à plus les gens. Un dernier petit truc avant de finir définitivement cette vidéo, après m'être baladé quelque peu sur la map, je viens de remarquer un petit détail intéressant. Pays de Galles indépendant!